une ancienne vedette du mile, devenue un étalon polyvalent, c'est-à-dire aussi doué sur le plat que sur les obstacles. Voici Stormy River, digne fils de verglas, auquel il ressemble d'ailleurs beaucoup physiquement. Stormy River, sous la férule de Nicolas Clément, a été le meilleur 3 ans de sa génération sur la distance de 1600 mètres. Il a notamment remporté le prix Jean Prat Groupe 1 à Chantilly. Lui qui a couru de 2 à 4 ans, il est entré ensuite étalon au Haras des Tréhans et se révèle père de très bons chevaux sur le plat. Rémus de la Tour notamment, qui a gagné le prix du Lys sur l'hippodrome de Chantilly. Léoparty, lauréate du prix de Psyché, groupe 3, mais également Tara River, une vedette du défi du galop. Tara River qui ensuite est passée avec brio sur l'hippodrome d'Auteuil. Et donc c'est sur l'obstacle aujourd'hui que tourne surtout très fort Stormy River. Il a terminé son année 2014 avec l'enchaînement des victoires de Storminator, qui a terminé donc sa saison par un couronnement dans le prix Léopold d'Orsetti, grande course de Hedanguin, groupe 3, au mois de novembre. Stormy River fait la monte à 3500 euros au Haras des Tréhans en 2015.